Ça fait 4 ans que je fais de la location de ce chalet. Un chalet, c'est pas tout à fait une préfabriquée. C'est un kit du Patriote, là, les habitations de Patriote. C'est une maison en bois rond totalement. C'est pas des murs isolés, c'est vraiment des billes pleines, là, de pain. Ça a été commencé en 2009, terminé en 2012. Le chalet, ça se nomme la cage de luxe parce que en bordure, il est caché un peu. Puis bon, pour une cache, il est un peu luxueux. Fait qu'on l'a appelé la cage de luxe. Le chalet, il comporte 4 chambres avec des lits 60 pouces, 2 salles de bain, un grand espace commun au rez-de-chaussée qui est vraiment là. C'est là que ça se passe, là, t'sais. Après ça, une terrasse pour profiter de la vue magnifique, là. Super dans l'océan. Tout le monde me dit ça, les clients me disent ah, c'est capoté. On s'est ressourcé, on repartit avec un sourire. On se situe à 5 km de la ville de Port-Cartier, avec en bordure du fleuve comme on peut le voir. C'est totalement accessible en voiture, en vélo, la piste cyclable, l'accès passe sur le terrain pratiquement. Bonjour, je m'appelle Francine Lauzé. Je suis propriétaire d'un magnifique chalet ici à Pointe-aux-Itards, secteur Les Buissons. Ça s'appelle Place Félix, dans le fond. Et puis, on est sur le bord de la rivière Outarde et on fait de la location Airbnb. Ici, bien, il y a la rivière Outarde qui est très, 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 très grande. Puis, à voir avec les marées, ça fait que des fois, l'eau est basse, des fois, l'eau est haute. Et puis, on peut faire du kayak, on peut faire du paddle, du pédalo, de la chaloupe. Ici, nous, on a un pédalo, mais on est en train de construire justement un accès à l'eau parce que c'est comme hasardeux de se promener là-dedans, puis on n'aime pas ça. Fait qu'on va pouvoir partir avec le pédalo, on va pouvoir partir avec le paddle, avec les kayaks aussi. Des fois, à marée basse, on voit les 4 roues, ils passent par ici, puis ils s'en vont, puis ils longent complètement jusqu'à l'eau debout. Ils sont capables de faire les berges à marée basse. Ça, c'est une petite cabane de pêche. L'hiver, ils font la pêche blanche, puis il n'y en a plus beaucoup. Parce qu'auparavant, j'ai vu des photos, il y en avait une trentaine de petites cabanes de pêche qui étaient là. C'est comme un mini petit village de pêche blanche l'hiver. À la base, c'est ça. C'est ma fille qui m'a parlé de ça. Ça fait qu'on a fait, on l'a acheté, puis on l'a rénové, puis on l'a mis en location, puis c'est ça, les gens adorent la place, l'endroit. Bon, ben bonjour, moi je suis la deuxième propriétaire de ce chalet-là, le chalet locatif, avec ma mère, Francine. Donc, je vais vous faire la visite du chalet. Pour commencer, on a le salon avec le foyer et tout. Ensuite, on a la cuisine, c'est un air ouvert dans le fond. Ici, on a la salle de bain. Avec les commodités, là, on a une laveuse sécheuse, douche, il n'y a pas de bain. On a un petit escalier en colimaçon.
Fait que ça, c'est la mezzanine. Fait qu'il y a un lit queen ici. Fait que ça, deux personnes aussi. On a des petits matelas, là, s'il y a des enfants, là, pour pouvoir les coucher. C'est sûr qu'en termes, on a juste deux lits. Mais on a des petits matelas, puis en bas aussi, il y a quelque part pour se coucher, là, s'il y a des enfants. Puis tout, qu'on peut rajouter des places. Sinon, il y a de l'espace en masse si on veut rajouter des gens, là, avec des matelas gonflables et tout. Puis c'est ça. Moi, c'est ma petite pièce préférée. On va aller au sous-sol. Sous-sol, c'est pas mal un espace de jeu pour les voyageurs. On a fait un petit espace. Avant, c'était pas fermé du tout le sous-sol. Fait qu'on s'est dit qu'on allait maximiser. On a un futon aussi, puis une petite salle de jeu pour les enfants ici. Il y a des jouets un peu, là. Sinon, on a une table de poule qu'on a mis. C'est sûr que le plafond est très bas, mais le monde sont capables de s'adapter, puis on a maximisé l'espace. Fait qu'on a une table de poule ici. Puis on a mis une table de poker. C'est pas mal un petit espace pour jouer. Il y a des hamacs là, qu'on a installés. Là. Un petit coin détente. Souvent, les adolescents, ils aiment beaucoup, beaucoup ça, coucher dans les hamacs. Là. Ils sont... C'est ce qu'ils veulent, puis ils sont corrects. Fait que des fois, les gens y arrivent, puis ils disent, bon, moi, j'ai deux grands avec moi. Ah, c'est sûr qu'ils vont coucher là, eux autres, là, tu sais. Ça fait que... Ils sont capables de coucher facilement 6 adultes, puis tu peux mettre 5 enfants aussi, ça veut dire 11. Mais pour être très, très bien, là, tu peux... Parce qu'il y a deux chambres, ça fait que tu peux mettre 4 adultes, puis 3 enfants facilement. Puis l'hiver, la particularité, c'est qu'on ne fait pas ouvrir le chemin, nous, l'hiver. Ça fait que les gens se stationnent en haut du stationnement et puis on leur fournit les toboggans, puis ils descendent à pied avec leur stock, puis ils traînent ça dans la toboggan, puis ils s'en viennent jusqu'ici à pied. Les gros billots de pain qu'on voit partout dans la maison, ça vient de l'État du Maine. Le constructeur s'approvisionne là en méga pain, parce que c'est des gros billots. Ils usinent ça, puis ils vendent ça en kit préfable. Puis là, après ça, ben, c'est tout du sur-mesure pour le restant. Tu t'amuses. Tous les petits coins, là, les rondeurs, les petits pads qu'il y a là, faut que tu aimes ça. Mais c'est beau, puis j'aime ça. Puis tu sais, ça respecte. J'essaie de respecter comme le cachet de la maison, là, dans le brut. Là. Tu sais, les escaliers sont là, ben ils ont été faits en épinette blanche, brute, 2 pouces. Tu sais, c'est pas acheté chez Rona. Là. Ça se vend pas chez Rona. Vous avez sûrement vu la hauteur du bâtiment. C'est très haut, le salage est hors terre. Le bout du pignon est à 30 quelques pies dans les airs. Toutes les tempêtes rentrent de l'est. Le devant du chalet manque de double d'entretien de l'arrière. Parce que le vent, les intempéries, le sel. On a eu une grosse tempête en 23 décembre 2021. On a manqué de courant pendant une semaine. Puis, je peux te dire qu'ici, c'était quelque chose. Mon ami, j'ai perdu la moitié du toit. Là. Il n'y avait plus de barre d'eau le matin. Là. Puis là, on était le 23 décembre. Là. Fait que la semaine d'après, il a fait doux. 2 jours. On a tout refait la toiture. C'était pas en l'eau complète. Au harnais, puis à l'équerre. Puis... Fait que c'est haut, c'est ça. C'est des harnais. Puis quand t'es rendu sur la coiffe en haut, là, ça prend pas un gars qui a le vertige. Là. T'as moins un harnais, faut que tu sois à l'aise. Là, je dirais que gérer tout ça, ça a été de l'improvisation, parce que moi, je me suis lancé un peu dans l'inconnu. Là, au début, ça prend faire la location court terme, ça prend un permis CTQ. Bon, là, soyez en règle. Je travaille à temps plein chez Alouette. Fait que, on travaille de ma job de mécanicien, puis de père, puis de plus tout, de chasseur, puis de gars qui aiment bien la nature. Ben, il faut que je fitte tout ça. Fait que, je réponds aux clients le soir, je fais de la facturation. La location court terme, c'est gratifiant, parce que le monde... sont heureux. En général, j'ai des très bons commentaires. Sauf que le challenge, au début, ça a été beaucoup de se faire connaître. T'sais, là, c'est de bouche-oreille, il y va. Là, j'ai jamais été affiché sur Airbnb.
J'ai tout le temps fait, j'ai fait sa page, là. On peut me trouver sur Facebook, j'ai fait sa page. Puis là, ça roule, là. Les saisons touristiques, ils roulent, puis ça c'est se décoller, tu sais. Ça, c'est mon point de vue à moi, là. C'est Airbnb, ben, tu mets ton chalet sur cette plateforme-là, tu gères plus. Tu sais, le gars, il peut te louer, faire un mariage à 100 personnes, tu sais, tout le monde veut se marier, ça, sauf que faut respecter les voisins. Hein. Tu sais, c'est pas je veux faire de la location durable. Faire le party, c'est une chose, briser, déranger les voisins, c'est une autre chose. T'sais. Fait que j'essaye de pas aller là, j'y ai pas été encore, puis je pense que j'aurai pas besoin d'y aller. Je trouve que c'est un bon site, c'est bien, ils gèrent les réservations, ils gèrent le calendrier, ils gèrent les paiements. Mettons quelqu'un qui voudrait faire une démarche, mettons un voisin qui dirait ben moi aussi je veux le faire. À ce moment-là, il doit en premier lieu passer par la CITQ, faire sa demande. Ensuite de ça, la CITQ t'envoie un papier qui l'envoie direct à la municipalité. Là, la municipalité doit dire oui ou non. Ça dépend où tu es situé. Il y a plein de critères en fait là. Ça a vraiment été ardu, ça a duré. Quasiment 2 ans avant de pouvoir avoir vraiment nos autorisations, là. Il y a peut-être 10% là, qui sont un petit peu frileux. Il y en a qui n'aiment pas du tout. Tu sais, 9 vont super aimer, ils vont te donner 5 étoiles. Puis il y en a qui n'aimeront pas du tout, puis que... On dirait que ça ne correspond pas à leurs besoins, mais pourtant, dans la description, c'est bien marqué, c'est un chalet rustique en bois, dans le bois. Il y en a qui vont dire, il y a des toiles d'araignée dehors. Oui, mais c'est parce que, madame, vous êtes dans le bois. C'est sûr qu'il y a des toiles d'araignée, c'est sûr qu'il y a des bébites dehors. Il y en a qui vont mettre une mauvaise note à cause de ça. Il y en a qui vont dire que... Comme dernièrement, il y a une madame, il n'y avait plus de propane. Il a manqué de propane pour faire le charcoal. Fait que, au lieu de nous appeler, parce que nous, ils nous appellent, on vient tout de suite. On vient changer la tank. Il a manqué de propane. Puis j'avais fait réparer le lave-vaisselle le matin. Puis il avait oublié de remettre la switch d'eau à tourner. Fait que la madame m'a mis une mauvaise note parce qu'il n'y avait plus de propane. Puis qu'il n'y avait pas d'eau. Mais j'ai dit, madame, vous m'auriez appelé. Puis ça aurait pris 30 minutes. Tout aurait été réglé. Vous auriez été satisfaite. T'sais, mais au lieu de ça, puis ils ont tout mon numéro de téléphone, puis ils peuvent me rejoindre tout le temps. On vient tout le temps quand quelqu'un nous appelle, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça fait qu'on donne un bon service à la clientèle, mais il y en a que, je ne sais pas, ils l'ont pas fait, mais après, ils critiquent. Le reste, les gens, ils sont fins, ils sont contents, ils apprécient tout. Les couchers de soleil ici, c'est extraordinaire le soir. Puis là, j'ai dit, avez-vous au moins apprécié le patio, les couchers de soleil, la vue, tout ça, t'sais? Mais on ne peut pas plaire à tout le monde. En conclusion, j'adore l'aventure de location. Ça nous a fait connaître des gens qui sont super sympathiques, des gens très, très reconnaissants. Je suis contente, moi, de partager ce que j'ai avec les gens. Que j'ai de précieux, ce que moi j'ai la chance d'avoir, puis qu'eux ils n'ont pas, tu sais, les couchers de soleil à perte de vue, l'endroit magnifique, la paix, on est vraiment à la paix ici, là, tu sais, c'est la tranquillité totale. Moi, partager ça avec les gens, c'est ce qui me rend heureux dans le fond, là. C'est autant mon bonheur à moi que si eux c'est leur bonheur, je suis amplement comblée.